One. Voilà. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Donc, l'objectif de cette rencontre est de présenter les projets de mise aux normes de l'Arena Saint-Louis et de répondre à vos questions. À l'origine, cette présentation devait être partagée avec les voisins immédiats de l'Arena afin de répondre aux exigences de l'arrondissement au moment du dépôt de la demande de permis. Mais il a été décidé de profiter de cette occasion pour présenter le projet à un public plus large. Un compte rendu de la rencontre, incluant vos questions et commentaires, ainsi que la vidéo de la séance, vous sera envoyé par courriel prochainement. Parfait, donc je prends. Oui. Je te cède la parole, Émilie. Oui, parfait. Donc moi, je suis gestionnaire de projet pour la ville. Donc si on va à la page de présentation de la vue aérienne, Geneviève. Donc voilà, c'est la vue aérienne, bien sûr, de l'Aréna Saint-Louis. Donc, le projet de mise aux normes de l'Aréna Saint-Louis va être exécuté dans le cadre d'un programme de mise aux normes des arénas, qui est un programme à la grandeur de la ville de Montréal. Donc, le but de ce programme-là, c'est vraiment d'assurer de maintenir l'offre de service de chacune des arénas sur le territoire, maintenir bien sûr la qualité des installations, donc de l'offre architecturale. La mise aux normes des systèmes de réfrigération. Donc, on parle d'un système de réfrigération qui était à la fois désuet, puis le réfrigérant R22, qui est un réfrigérant qui est polluant. Donc, le but, c'est tout d'abord de changer les différents systèmes électromécaniques et de réfrigération et d'atteindre une performance dans le bâtiment qu'on appelle les bâtiments qui ont une accréditation LEED. Donc, ben, je vais vous montrer juste en plan, dans le fond. Ce que vous voyez, c'est le périmètre de la mobilisation. Dans le fond, c'est l'ensemble de l'envergure du chantier. Donc, l'aréna en tant que telle est considérée dans l'ensemble de son site. Donc, l'aréna ainsi que le stationnement qui est adjacent. Puis, ce qu'on voit en pointillé, on voit la construction d'une nouvelle salle T, donc une salle technique. Dans le jargon, quand on met aux normes un nouveau bâtiment, on va construire une salle qui va accueillir certains types d'équipements spécialisés pour le fonctionnement. Puis, on a une rénovation, si on veut, de l'installation existante, donc de toute la superficie de l'aréna. Donc, page suivante. Parfait. Donc, on a quelques vues qui sont de préliminaires, disons, de ce que va être le projet dans sa formalité. Formalisation. Donc, ce qu'on voit, l'image de l'accès, quand on parle d'une mise aux normes, on parle d'accessibilité universelle, donc une rampe qui va permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite, qui n'est pas le cas en ce moment dans le projet, dans sa mouture actuelle, dans l'aréna existante. Puis, on va permettre l'accès au niveau sous-sol, qui est le niveau où il y a la glace principale de l'aréna. Donc, sur le côté du bâtiment, on va s'assurer qu'il y a une entrée qu'on appelle en construction d'accessibilité universelle pour permettre le patinage libre, disons, à tout type de clientèle. Puis, finalement, on le voyait un peu dans la première perspective, on va faire une mise aux normes, puis on va réaménager le site. Parce qu'on refait la toiture de l'aréna. Donc, quand on refait cette composante-là du bâtiment, on doit assurer la rétention des eaux pluviales. Donc, sur la portion présentement pavée du stationnement, on va assurer une gestion durable, donc un réaménagement du terrain pour l'absorption, si on veut, de l'eau en provenance de l'aréna. Puis, ben, écoutez, je vais pouvoir vous donner plus de détails au besoin. Donc, c'est les trois axes, si on veut, de notre mise aux normes dans le cadre du projet. Je veux juste rappeler de peut-être garder les mains pour la fin de la présentation pour les questions. Puis je vous rappelle aussi de fermer vos micros parce qu'on entend les petits bruits de vaisselle et de la vie de votre quotidien derrière vous. Ça, c'est le plaisir des rencontres en virtuel, hein? Puis, donc voilà, donc.
Voici l'échéancier de complétion du projet. Donc, on est encore à la phase exécution-conception. Donc, on prépare la documentation pour procéder à l'octroi, puis au début des travaux. Donc, l'idée, c'est de se mobiliser, donc de commencer l'intervention sur le site à partir de l'été prochain, donc l'été 2024, puis d'assurer une complétion de l'ensemble de la rénovation du bâtiment pour la saison, le programme de la saison 2026-2027. Donc, approximativement 1-2 ans de réalisation qui est planifié dans l'échéancier. Comme le but de cette rencontre-là, comme l'a indiqué mon collègue Juan, c'est vraiment de parler aussi de l'interface de réalisation. Donc, on vous a présenté un peu ce que ça représente en termes de conception. Mais évidemment, c'est un chantier donc, de 2 ans. Donc, on voulait vous indiquer par rapport à ce qu'on peut s'attendre à avoir comme impact sur l'environnement qui est immédiat. Donc, l'ensemble du site va être pris en charge par l'entrepreneur au début de la mobilisation du chantier. Puis, donc, il va avoir le but du chantier, c'est de limiter l'impact, si on veut, sur le voisinage, autant que ce soit bruit, circulation, mais il va avoir quand même certaines interactions, si on veut, ou certaines interfaces qui vont être ponctuelles au niveau de la circulation. Donc, on a quand même un grand site, puis c'est sûr qu'on va le plus possible contenir l'intervention, puis ne pas bloquer les allées circulatoires autour du bâtiment. Donc, ce qu'on voit en bas du bâtiment, en bas de l'écran, c'est le nouvel agrandissement qui va être construit. Donc, l'agrandissement va être construit sur le carré blanc, si vous voulez, sur la perspective, donc du côté est, sud-est, si on veut, de l'aréna existante. Donc, on va procéder évidemment à l'excavation-construction. Donc, c'est une partie intensive, la mobilisation qui est attendue. Donc, il va y avoir plusieurs interfaces d'accès au chantier pour minimiser l'impact sur un point directement. Puis, il y a évidemment tout un cadre réglementaire autour de la réalisation de projet pour tout ce qui est le moment où les travaux vont être réalisés. Puis le bruit qui va être produit a une limitation également pour s'assurer de justement, ben, les plages sont indiquées, c'est dans la réglementation de l'arrondissement pour s'assurer de minimiser, si on veut, l'interférence puis l'impact. Donc voilà, ultimement pour la construction, un point qui était important pour nous, puis pour l'arrondissement, c'était la rétention des arbres qui étaient déjà sur le site. Donc, on se veut un projet durable, bien sûr. Donc, on voulait déjà conserver tous les arbres qui étaient matures, puis favoriser la végétalisation du site dans l'aménagement qui va être proposé. Au niveau de l'impact sonore, donc quand on parle d'une mise aux normes, on change tous les systèmes électromécaniques. Donc, on change les systèmes qui vont être, bien sûr, à l'intérieur du bâtiment, mais ce qu'on peut voir sur le toit, donc tous les systèmes de déshumidificateurs, ventilation existants. Puis, on a des normes également réglementaires. Donc, le bruit ne va jamais dépasser dans toutes les conditions ce qui est fixé par la réglementation qui est 50 décibels. La prochaine image... On voulait aussi, dans la formalisation de cette fameuse salle-là, on voulait s'assurer de minimiser l'impact d'ombre projetée, si on veut. Donc, il y a un duplex qui est juste à côté. Puis, la hauteur de l'agrandissement qui va être construit va être plus bas que la hauteur du duplex. Puis, avec la course du soleil, donc ce qu'on voit, c'est un petit peu abstrait, mais ce qu'on... on recherche à voir dans ces schémas d'ombre projetée, c'est de s'assurer qu'on ne va pas ombrager le voisin immédiat. Donc, ce que vous voyez, les espèces de petits schémas d'ombre, c'est les trois stades de la journée, donc le matin au lever du soleil, le midi quand le soleil est le plus
haut par rapport au bâtiment, puis le soir, puis ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas un impact qui va être important, puisque juste adjacent à l'agrandissement, c'est un mur qui est un mur aveugle. Donc, voilà, l'ombre est principalement projetée sur le site même de l'aréna. Donc, il n'y a pas d'impact qui est attendu pour les voisins immédiats dans cette étude d'ensoleillement. Donc, voilà, ben, écoutez, comme mon collègue vous a dit, c'est vraiment une première ébauche pour vous présenter l'avenue de ce chantier-là, ultimement la réalisation. Pour la saison 2026-2027. Puis on est là pour répondre à tous vos questionnements, commentaires plus précis par rapport à ce que vous pouvez anticiper, disons, dans les 2 prochaines années pour la complétion de ce chantier-là. Donc, je vais laisser mon collègue Juan, qui est le gestionnaire à l'arrondissement, compléter la présentation. Oui, bah, je vais juste rappeler que quand seront envoyés. Oui. Excuse, peux-tu juste répéter, ça a coupé. Oui, donc juste vous répéter que un compte rendu de la rencontre d'aujourd'hui et la vidéo vous seront envoyés par courriel prochainement. Et bah, finalement, vous informer que lors de la réalisation du chantier, il y aura une affiche dans les chantiers avec les coordonnées de la personne, en fait, de la personne que vous pourriez contacter en cas de besoin. Parfait, merci. On a déjà des mains levées. On va y aller dans l'ordre. On a Monsieur Pagé d'abord. Je vous invite à ouvrir votre micro et à prendre la parole. Oups, votre micro semble encore fermé. Merci de votre présentation. Moi, c'est drôle parce que j'ai une remarque préalable. Je viens de la patinoire à côté qu'on voyait, la patinoire de Gaspé-Bernard. Les lumières sont même pas ouvertes. J'ai appelé 2 fois l'arrondissement. Moi, des fois, je me demande quelle sorte de conception vous avez du hockey, si vous accordez une importance au hockey. Oui, en partie, parce que vous avez fait le 77 Bernard. Pour la famille, mais pour le reste, je ne sais pas comment vous voyez l'avenir de notre sport national. C'est une grande question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, Marie, veux-tu prendre la balle au bon là-dessus? Ben écoutez, monsieur Pagé, c'est Marie P. Marie-S et Je Marie-P. Écoutez, je prends bonne note de votre question. Ces messages-là concernant l'éclairage, vous faites bien de le signaler au 3-1 et vous pouvez toujours le signaler Bon, mais je aussi à l'ai vous. déjà signalé Oui, mais vous plusieurs pouvez nous fois. le signaler également à nous, les conseillères, soit Marie Mais Sterling ou non, mais moi-même. là, c'est. Comme ça, on va pouvoir voir qu'est-ce qui bloque, à quel endroit ça bloque, et puis on va pouvoir adresser là, ce problème-là. Merci. Merci. Alors, je passe ensuite la parole à Francis Lefebvre. Bonjour, m'entendez-vous? Oui, très bien. Merci. Moi, je voulais savoir si est-ce qu'on change également la tuyauterie sous la dalle? Je crois que c'est une question peut-être plus pour Émilie. Oui, mais. Dans le fond, je vais demander un petit peu plus de contexte par rapport à cette question-là, mais quand on fait la mise aux normes, on vient s'assurer que tout l'ensemble des systèmes sont fonctionnels. Je ne sais pas, peut-être vous aviez un point particulier à adresser par rapport à cette tuyauterie-là. Non, ben, je sais que tu sais, par le passé, elle a déjà lâché à certains endroits, mais ma question, c'était un peu ça, là. Qu'est-ce que prévoit, dans le fond, le projet? Est-ce qu'on garde les tuyaux et la dalle telles qu'elles sont ou ça prévoit de tout refaire? C'est un peu ça, ma question. Donc, vous Oui. parlez, excusez-moi, est-ce que vous parlez des tuyaux sous l'aréna ou des tuyaux sur les rues qui ceinturent l'aréna? Sous l'aréna, là, ceux qui font la réfrigération en dessous de la glace. Oui, ben, dans le fond, nous, dans la mise aux normes, on remet aux normes les sanitaires. Ça veut dire qu'on va changer l'équipement sanitaire, puis on va changer une partie de la tuyauterie de tout ce qui connecte.
Je ne sais pas à quel problème exactement vous faites référence, mais si c'est, disons, à d'autres projets d'Arena qui auraient été faits récemment, c'est sûr que nous, on vient s'assurer que par notre conception, on n'augmente pas le risque de refoulement. Je ne sais pas si c'est la préoccupation que vous avez des eaux. On inspecte toutes les conditions existantes dans le bâtiment, puis on fait un, disons, un audit détaillé de toutes les composantes pour s'assurer la pérennité du bâtiment. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ben, en fait, moi, je pensais plus au système de réfrigération, là, mais dans le fond, Oui, parce que le système de vous êtes expert. réfrigération, c'est, dans le fond, c'est dans la nouvelle saleté qu'on construit. C'est pour loger ces différents systèmes-là. Donc, ce que vous voyez là, en schématisé en jaune sur l'image. Puis, c'est tout des nouveaux systèmes. Donc, il y a le principal type d'équipement, refroidisseur de fluide, qui va être à l'intérieur, sur la toiture, mais l'espace confiné de cette saleté-là. Puis, on vient se reconnecter au système de saumure qui est sous dalle existant. Donc, pour répondre à votre question, on intervient, on change tout le mécanisme, mais la dalle, la patinoire, on conserve la même dalle. OK. Madame Farrand, j'ai vu que vous avez levé votre main, pas virtuellement, mais votre vraie main. Je vais juste vous prendre en sixième après les autres qui ont levé la main, si ça ne vous ennuie pas. Parfait? OK. prochaine personne, c'est un Rémi. Je n'ai pas de nom de famille, mais Rémi, vous pouvez prendre la parole. Oh, vous avez baissé votre main. On arrive à Daniel Seigneur. Allô, Daniel? Salut Geneviève, salut les maris et tous les autres. vous m'entendez comme il faut? Oui. Très bien. Oui. Avez-vous une estimation des coûts total pour pas simplement le nouveau bâtiment à construire, mais aussi tous les travaux? Oui, certainement. Pour l'instant, ce n'est pas une information qu'on partage publiquement parce que dans notre processus de conception, comme vous le savez peut-être, on va tomber en appel d'offres pour aller chercher un soumissionnaire. Donc, en ce moment, effectivement, on a une anticipation du coût. Malheureusement, ce n'est pas une information que je peux partager. OK, mais j'imagine que c'est aux alentours de 20 millions de dollars ou même plus. Moi, pour connaître bien l'arrondissement et connaître toute la manque de terrain comme celui-là à mettre en valeur, je trouve, j'ai souvent dit aux deux maris et aux autres que c'est vraiment une opportunité manquer de procéder avec une simple rénovation de l'aréna. Je trouve que c'est un grand terrain au milieu d'un des quartiers les plus convoités au Canada et qu'on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux avec ce terrain-là. Je sais que ce n'est pas nécessairement l'argent de l'arrondissement ou même de la ville qui sera investi ou majoritairement investi, que c'est en général l'argent fédéral et provincial qui va payer la rénovation. Mais je vous ai dit, je répète encore que je pense qu'il y a quelque chose de plus ambitieux, plus créatif à faire avec ce terrain. Oui, peut-être avec une patinoire ou une aréna là-dedans, mais aussi avec des espaces communautaires, du logement possiblement. On a beaucoup entendu parler de un Van Horn et comment la ville a une responsabilité ou devrait l'acquérir pour le transformer en quelque chose pour combler les besoins dans le quartier. Mais celui-là, c'est un bâtiment privé. Celui-là, c'est un bâtiment public.
qui a besoin d'un grand investissement, qu'on pourrait faire quelque chose avec assez facilement. Mais non, on va juste faire le minimum comme avant. Et c'est pas, je trouve pas que, juste pour finir, je trouve pas que les administrations Projet Montréal sur le plateau a toujours fait preuve de créativité et de vision dans leurs interventions sur le domaine public. Avenue des Pins, c'est un exemple magistral de ça, mais ça ne le fait pas. Ça, c'est point de vue de Daniel. Est-ce qu'une des deux, Marie, souhaiterait commenter sur ce volet? Ben, écoutez, Monsieur Seigneur connaît pas mal les dessous de toutes les discussions qui ont eu cours là, à propos de ce projet-là, mais peut-être pour la gouverne, parce que c'est quand même un point qui est intéressant pour les participants et les participantes à cette réunion-là. C'est sûr qu'il y a eu de nombreuses discussions. Monsieur Seigneur avait lui-même proposé un projet à l'époque, très, très ambitieux, inspiré de ce qui s'est fait, entre autres, à Westmount. Il y a eu ces réflexions-là, mais les coûts, et il y a eu des explosions de coûts, et les coûts étaient faibles. Et on jugeait que c'était pas responsable pour l'administration pour pouvoir endosser ces coûts-là, parce qu'il y a quand même une bonne partie qui relève de l'arrondissement et de la ville-centre. Et en ce qui concerne tout ce qui est logement et espace communautaire, on a travaillé, on continue à faire l'acquisition de terrains comme Millions de tapis de tuiles. On a mis aussi là, des droits de préemption sur certains terrains. On a également, pas trop loin, procédé à l'acquisition d'un terrain qui est coin Saint-Laurent et Marianne. Il y en a d'autres sur l'ensemble du territoire. Donc, on essaie de répartir là, les lieux, les endroits où on peut faire des investissements. Et puis, on jugeait que ce lieu-là, avec les coûts, avec l'argent dont on disposait, c'est peut-être pas le projet le plus ambitieux, mais c'est un équipement, une infrastructure qui est très dispendieuse, mais qui est très appréciée. On a pu le voir là, dès le moment où ça a commencé à être difficile, où il y a eu l'explosion des coûts, où on s'est demandé est-ce que ça vaut la peine, est-ce qu'on a les moyens de poursuivre et d'aller avec l'Arena. On a vu vraiment toute la mobilisation citoyens et citoyennes qui nous a prouvé là, à quel point c'était important de maintenir cette infrastructure-là. En ce qui concerne la bonification et le verdissement, bien, on sait qu'il y a des projets qui s'en viennent dans le coin. On ne peut pas vous en parler tout de suite, mais il y a aussi, pour améliorer là, les aménagements, on sait que c'est quand même un endroit, un milieu qui est quand même assez... assez minéralisé, donc le bassin de rétention qui va venir éventuellement là, s'installer dans l'espace là, du stationnement qui donne sur la rue, presque sur la rue Bernard, ça va être un bel ajout là, dans le quartier. Alors, merci. Puis, Monsieur Seigneur, ça me fera toujours plaisir d'aller prendre un café pour discuter et échanger de plus en profondeur. Et merci de nous pousser à être meilleurs. OK. Juste une question à propos de bassin de rétention. Ça veut dire, ça, c'est là où se trouve le stationnement présentement? OK, donc il n'y aura pas de projet de construction là-dessus. Possiblement, parce que moi, j'ai entendu parler d'un projet de logement social. Non? Okay. Non. OK, on prendra un café bientôt, Marie, j'espère. Je passe la parole à Noémie, puis ensuite, ça va être vous, Mme Farran, qui pourra prendre la parole. Oui, merci. Merci pour votre présentation. Je me questionnais parce qu'en ce moment, l'Arena propose d'autres activités sportives comme du basket, du badminton, tennis de table. Puis ça a été tellement une merveilleuse façon de réutiliser l'espace le temps que le projet de rénovation prenne vie. Moi, ça fait presque 2 ans que je vais jouer au badminton toutes les semaines. Je me questionnais, est-ce que ça avait été réfléchi sur l'avenir de ces activités? Est-ce qu'elles vont éventuellement être déplacées dans un autre espace? Est-ce que c'est fini? Est-ce que ça avait été réfléchi? Ben, je peux me permettre peut-être une réponse. Oh, c'est Mini Steve. Excusez-moi. Le fils de Geneviève. Bonjour. Donc, ouais, on a.
C'était un succès monstre. Moi-même, mes piètres talents de joueuse de badminton, j'ai pu aller pratiquer là, sur ces terrains-là. C'est extrêmement populaire. Et puis, ben, on essaie là, de songer justement à une façon là, de pouvoir remplir ce nouveau besoin-là qu'on a créé et qui, ma foi, là, a desservi bien la population. Et on réalise que c'est vraiment un besoin pour la population locale. Donc, je sais, là, M. Seigneur aussi joue au badminton. Non, tu joues pas au badminton? Non, au ping-pong. bref, on sait que c'est au pickleball. Bon. En fait, on sait que ça a été vraiment très, très apprécié. Donc, mais c'est dans le... on cogite là-dessus. OK. Merci beaucoup, c'est gentil. Madame Farran, c'est à vous. Juste ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Elle est encore là? Marie Farron. On ne vous entend pas. Je n'arrive pas à ouvrir votre micro. Je peux le désactiver, mais je ne peux pas l'activer, malheureusement. Oui, c'est ça, parce qu'ils me disent... C'est non. Bon, on vous entend. OK. Moi, j'habite juste à côté. Le beau petit triplex à côté. Et puis, j'imagine, ben, je sais qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, là. Mais une fois que ça va être fait... Avec l'extension, j'imagine, parce qu'antérieurement, il y avait des gens qui parlaient le soir, la nuit, qui allaient s'installer ces tables de ping-pong, il n'y aura plus ça. Ça va être calme. La nuit. M'entendez-vous? Oui. Mais vous parlez de la partie parc de l'îlot? Non, je parle de l'extension. Moi, j'habite juste à côté du petit carré blanc là, dont vous avez parlé. Et puis, antérieurement, il y avait du bruit l'été, le matin, tout ça. Et puis, surtout la nuit. Moi, j'ai le sommeil fragile. Donc là, une fois, je le sais que pendant la construction, ça va être effrayant. Mais après ça, j'imagine qu'il n'y aura plus de table à pique-nique dans ce coin-là. Donc, il n'y aura plus de gens qui vont aller s'installer pour jaser à côté entre l'aréna et mon building. Ben, par rapport à l'aménagement extérieur, je ne sais pas, Émilie, si on peut pas vraiment statuer maintenant sur comment ça va s'installer autour de l'aréna. OK, c'est oui. Ça, mais je pense qu'il n'y aura pas de place de toute façon, parce que quand je regarde, ça a l'air très serré. Effectivement. Ma préoccupation, moi aussi, hein, c'était génial le pickleball puis les activités. Moi, j'ai commencé à jouer au pickleball. Je suis une ancienne joueuse de tennis, mais avec deux hanches artificielles, c'est plus compliqué. Le pickle, c'est plus simple. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve ça dommage que ça quitte, que ça parte, mais tant mieux si vous organisez d'autres, ce genre de sport ailleurs, là, tout près. Mais ma plus grande préoccupation, mis à part le bruit que ça va faire pendant très longtemps, c'est le stationnement. Parce qu'il n'y a pas tellement de places de stationnement. Moi, j'ai une vignette. Donc, est-ce qu'on va garder nos places de vignette ou les camions vont prendre toute la place? Ça va être un problème, là. Pendant les travaux, vous voulez dire? Oui, pendant les 2 ans qui s'en viennent. Émilie, est-ce qu'il y a des dispositions par rapport à... Oui, désolé, je cherchais mon micro dans le coin de l'écran. Oui, bien, dans le fond, pour ce chantier-là particulièrement, on a la chance de pouvoir se mobiliser sur le côté du stationnement qui est existant. Donc, le but, c'est de réduire l'impact sur les rues adjacentes. Donc, après ça, parfait, bien, on va pouvoir détailler, évidemment, au moment de la mobilisation, mais c'est ça. OK, parce que moi, je marche pour aller au travail. Alors, je ne prends pas ma voiture le jour. Alors, je sais qu'il faut la changer une fois par semaine quand tu nettoies les rues. Mais j'espère vraiment que ça ne va pas, que ça va pas empirer la situation. Tu sais, c'est déjà compliqué de se stationner, là, même avec la vignette, c'est pas pire. Tu sais. Mais si vous me dites que les camions ne vont pas s'installer là, c'est parfait. Là, Tout à fait. On prend bonne note de votre commentaire dans notre planification aussi du chantier. Merci.
Parfait. Puis, gênez-vous pas pour mettre des arbres, parce que mon propriétaire, que j'aime beaucoup, ben, il en a coupé un à l'arrière. Alors, si vous pouvez en mettre beaucoup, je vais être très heureuse aussi. On va avoir plus de petits oiseaux. Ça va être agréable. Donc, ben, c'est ça. Puis j'ai hâte d'aller patiner sur la nouvelle super patinoire. Là. Vous ne pourriez pas faire un deuxième étage et puis faire justement des terrains de pickle, puis de badminton, puis de... Ça serait génial. Non? OK. Vous n'êtes pas rendu là. Je vois beaucoup de réactions et peu de mots. La phase 2. Peut-être, mais la structure en tant que telle, je ne sais pas si elle serait capable de soutenir là, un deuxième étage. Il faudrait probablement démolir et reconstruire au complet. Là. Donc, je garderais pas mon souffle là, en pensant à un deuxième étage éventuellement. OK, parfait, malheureusement. En tout cas, donc, merci beaucoup. Merci, Mme Parent. Je passe la parole à Rémi maintenant qui a la main levée. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Rémi Bossé. Vous m'entendez? Oui. Dans le fond, mes enfants, ils pratiquent le hockey. J'ai deux enfants. Puis, l'Aréna Mont-Royal qui a été rénovée, dans le fond, ils ont retiré le stationnement, un peu comme vous planifiez de faire. Puis, c'est vraiment pas évident quand il y a des parties de hockey. Fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait 15 personnes de chaque équipe. Fait que 30 personnes qui viennent avec leur auto, souvent, parce qu'il faut se déplacer. Fait que 30 personnes plus un autre 30 personnes pour l'heure d'après, ils vont stationner où? Écoutez, on jugeait vraiment, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, que dû à l'importance de déminéraliser le quartier et de lutter contre les îlots de chaleur et aussi de travailler, on est vraiment situé dans ce qu'on appelle des cuvettes. Les cuvettes, ce sont des lieux où on ramasse, ça ramasse de l'eau et ça peut générer des problèmes. Et on sait qu'avec les précipitations qui sont de plus en plus abondantes, on a besoin d'améliorer la gestion de l'eau. C'était une raison qui justifiait amplement là, la création de ce bassin de rétention-là. Il y aura toujours là, les parcs au jour sur les rues adjacentes, les rues autour, ou encore les vignettes journalières là, pour pouvoir se garer dans le quartier. Je passe maintenant la parole à M. Claude André. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci d'aller de l'avant avec le projet. On s'en est parlé souvent dans le passé. Moi, je continue dans la lignée de Rémi là, pour vivre la même réalité que lui. Je sais qu'à l'Aréna Mont-Royal, il y a une sorte d'accommodement où les gens se stationnent à l'école Jeanne-Mont juste à côté. C'est ce qui fait que c'est vivable. Sinon, ça stationner sur la rue Mont-Royal avec le parc à mètre à chaque fois qu'on va à une pratique ou un match de hockey, c'est un peu ridicule. Est-ce qu'il peut y avoir des sortes d'accommodements dans le futur? Là? Les parcs au jour gratuits durant les périodes du hockey là, ou le stationnement immense à côté qui ne sert absolument à rien souvent, qui pourrait être utilisé? Est-ce que vous songez à ça? Parce que je ne sais pas si vos enfants jouent au hockey, là, mais si vous y allez trois fois par semaine, un parc au jour, 6 $ à chaque fois, fois 25 semaines, fois 50 matchs, c'est un petit peu ridicule. Puis on demandera pas aux gens de pointe aux trembles de venir en autobus pour venir leur enfant au hockey. Puis là, je parle du hockey, mais c'est dans tous les cas. Là. Ça peut être du patin artistique, ça peut être la ringuette, etc. Donc, il faudrait songer à des aménagements, des accommodements pour rendre ça un petit peu vivable. Écoutez, on prend bonne note de votre suggestion, mais comme vous le savez, sur le plateau Mont-Royal et dans l'ensemble des quartiers centraux, le stationnement gratis, ça n'existe plus ben. Et surtout, là, en ce qui concerne là, d'offrir là, du service ou du stationnement là, pour des équipements qui attirent des gens de l'extérieur. Donc, est-ce qu'on peut essayer d'avoir une entente avec des propriétaires de stationnement autour? Ça peut se discuter. Mais en ce qui concerne le stationnement sur rue, les parcs au jour et les vignettes restent les solutions alternatives. Ça n'aurait pas de sens, M. Bois, de faire pour des gens
qui viennent de manière provisoire mobiliser des espaces qui peuvent être par ailleurs verdis ou cette question de la gestion là, des eaux, vous l'avez vu, il y a des patinoires partout, il faut qu'on fasse quelque chose, il y a des plaques de glace partout. Voilà. On a eu cette discussion-là, mais il faut penser aux résidents, il faut penser aux gens qui sont là, puis réduire ceux qui bénéficient de la réduction des îlots de chaleur. C'est ça la priorité. Ben, c'est pour ça que je vous parle d'un accommodement sur la rue, parce que ça n'a aucun impact. Parce que je pense que ce genre de mesure-là, c'est correct pour l'environnement, mais c'est totalement insensé par rapport aux besoins. Là. Tout le monde vient en auto. C'est des sports qui se veulent communautaires. Ce n'est pas supposé de coûter 10 $ de stationnement chaque fois que tu vas à un entraînement de ton enfant. Puis, moi, j'habite à côté, ça ne sera pas mon problème, là, mais je pense à tous ceux qui vont venir dans toutes les situations. Mais bon, je comprenais le point, je pense, là, mais c'est bon. Fait que pour Mont-Royal, heureusement, on a trouvé une solution, là, mais pour Saint-Louis, il faudrait en trouver une similaire. Et si je peux mettre mon grain de sel, il y a beaucoup de parcomètres dans le coin qui ne sont pas occupés pendant les périodes où il y a d'habitude les matchs de hockey. Donc, c'est beaucoup moins achalandé qu'autour de l'aréna Mont-Royal. Je ne pense pas qu'il y aura un enjeu de stationnement. Donc, peut-être on aura à payer une heure ou deux, mais pas nécessairement un parc au jour. Merci, Daniel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce serait le temps de vous manifester si c'est le cas. Ah oui, je vois que Gaëlle, vous avez levé la main. Bonjour. Je veux juste essayer de bien comprendre, une fois qu'il y a le début des travaux cet été, tout ferme. On n'a plus accès à l'aréna, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Malheureusement, pour la réalisation, pour accélérer, si on veut, le chantier, on doit permettre à l'entrepreneur de prendre possession de toute l'installation. Donc, voilà. Parfait. Ben, c'est bon. Merci. Monsieur Pagé, vous avez ouvert la période de questions. Est-ce que c'est vous qui allez la fermer également? Juste ouvrir votre micro si vous voulez vous prononcer. Ah, OK. Bon, je reviens avec le projet de Daniel, le projet d'envergure. Vous dites, Marie disait qu'il y a une question de gros sous. Quelle démarche vous avez fait auprès des infrastructures à Ottawa et de la Fondation des Canadiens de Montréal? Moi, quand je disais en introduction là, que la conception du hockey, c'est important d'avoir une conception dynamique. On l'a vu pendant la pandémie, il y a plein d'adolescents qui sont aboutis à patinoire à côté. Il y a eu aussi des gens après au 77 Bernard. Mais moi, je pense que c'est ça, je veux savoir quels efforts ont été faits pour générer un projet d'envergure. Parce que là, vous dites, ah oui, il n'y avait pas d'argent, mais en même temps, on dit la priorité du logement. C'est vrai que la ville en fait. Mais je veux dire, tout le monde, tous les spécialistes, les gens des comités logement, tout ça, ils disent qu'il faut un effort supplémentaire. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour aller voir du côté des fonds d'Ottawa ou de la Fondation des Canadiens? Bien, la Fondation des Canadiens, c'est quand même assez limité là, comme partenariat. C'est pas quelque chose vers lequel on est allé. Cela dit, les coûts seraient énormes, et non seulement les coûts, mais les coûts environnementaux. Démolir une infrastructure existante telle que l'Aréna Saint-Louis, côté aspect financier et côté environnemental, ce serait énorme. Donc, c'était pas quelque chose qu'on a pu non plus là, qu'on a regardé, qu'on aurait pu considéré. Compte tenu des moyens que nous avons, là, c'était ce qu'on avait. Ouais, mais moi, c'est déjà très difficile, vous le savez. On a fait l'acquisition en ce moment de plusieurs terrains. On a de la difficulté à travailler, à trouver les partenaires, à faire lever des projets avec les différents GRT. C'était pas quelque chose là, qui était possible. Mais je prends bonne note là, de votre non, message. C'est vrai que c'est pas facile, mais moi, quand je regarde Saint-Jean-de-Mata,
un petit village du Québec est mieux équipé que le plateau en termes de hockey, que le Milan. Puis ça, il faut que ça change, parce que c'est quand même important. Je veux dire, il y a plein de petits villages qui ont au moins une patinoire extérieure couverte. Moi, c'est dans ce sens-là, je me dis, il me semble qu'il y aurait pu y avoir, parce que la Fondation des Canadiens ont quand même financé certaines patinoires à des montants importants. Oui, mais merci. Oui, vas-y, bon. Marie. Non, mais je voulais juste dire qu'on avait pris bonne note de tout ça, mais qu'effectivement, on voit la restauration de l'aréna prouve vraiment notre engagement qu'on a envers les joueurs et les joueuses de hockey, de ringuette et d'autres sports là, sur glace. Et c'est vraiment, on a démené, là, on a remué ciel et terre pour pouvoir faire ces travaux-là et aller chercher ces enveloppes-là pour pouvoir faire cette aréna-là. Et on est très contents du travail et d'en arriver à pouvoir faire ces travaux. Parce qu'il y aurait pu ne pas en avoir. Il y aurait pu. Ça a passé proche. Écoutez, merci tout le monde de votre présence. Ah non, il y a une autre main, pardon. AM. Oui, bonsoir. Désolé, j'ai manqué le début de la présentation, mais j'ai juste une petite question. Est-ce que c'est quoi le dernier jour pour nous pour jouer dans l'aréna Saint-Louis? Parce que pour les personnes qui jouent le tennis de table ou le badminton, c'est quoi le dernier jour? Donc, oui, bonjour monsieur, désolé pour le délai. Donc, en fait, comme on a expliqué en début de projet, on est dans le processus de réalisation de projet. On n'a pas une date comme telle dans la formalisation, mais on est en contact avec les différents intervenants des sports qui gèrent l'aréna, puis eux vont être en mesure d'informer exactement, précisément sur la manière dont ça va affecter la fin de votre activité, mais c'est sûr que nous, dans la gestion de la fin de l'utilisation de l'aréna, on essaie de s'aligner avec la terminaison de la saison, si on veut, puis annoncer à l'équipe de gestion d'avance pour être en mesure de vous informer. OK, donc est-ce que c'est assez sûr qu'on peut jouer, par exemple, jusqu'à l'été, ou c'est... Ou peut-être jusqu'à après l'été. Mais écoutez, je ne peux pas vous donner une date précise, encore une fois, parce qu'il y a des processus pour l'octroi de contrat. Mais nous, on vise l'été, bien sûr. Puis, vous allez avoir l'information à l'interne de la programmation pour s'assurer que vous n'êtes pas pris au dépourvu. Oui, j'allais dire, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à l'infolettre de l'arrondissement qu'on envoie tous les vendredis. C'est le genre d'information que vous allez trouver. Vous allez être prévenu à l'avance de la fermeture et du début des travaux, c'est certain. Merci. Je crois que AE avait levé sa main également et je l'ai baissé par mégarde. Si c'est le cas, je vous invite à poser votre question. Alors, peut-être pas finalement. Bon, ben écoutez, je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents et d'avoir participé. Oups, on a une nouvelle personne qui vient d'arriver, mais bon, la rencontre est terminée. Donc, comme mon collègue Juan vous disait tout à l'heure, le compte-rendu, la vidéo et les informations sur le projet vont vous être envoyés par courriel puisque vous étiez invité à la séance. Vous aviez confirmé votre présence à la rencontre de ce soir. Et puis aussi, on va fournir cette information-là par les canaux habituels de l'arrondissement. Donc, notre fameuse infolettre dont je parlais il y a quelques instants, là, on va partager la vidéo également et on va vous tenir au courant de la suite des choses. Donc, merci à tous en vous souhaitant une excellente soirée. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bye-bye.